Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. Moi super, très bien. Nous parlons aujourd'hui d'Arriva qui continue toujours d'exciter dans le monde de la crypto-monnaie. Alors si vous voulez en savoir plus sur cette crypto, n'hésitez pas à suivre jusqu'à la fin de la vidéo et vous saurez ce qui est en train de se faire et ce qui s'est déjà effectué. Bien sûr que vous aviez constaté dernièrement sur ma chaîne, je n'étais pas régulier du fait que j'avais un problème sur ma chaîne, mais aujourd'hui nous sommes là et nous allons essayer un peu de parler sur quelques actualités sur cette crypto. Alors si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas de nous aider avec un beau pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, car sur notre chaîne nous parlons sur la crypto monnaie, des actualités sur la crypto et des cryptos qu'il faut normalement investir, pourquoi pas ne pas connaître si vous ne connaissez pas, et savoir ce que vous devrez faire dans le monde de la cryptographie. Mais à titre d'avertissement, je ne suis pas votre conseiller financier. Faites votre propre recherche si vous voulez investir dans le monde de la crypto, car le marché de la crypto est volatile et très risqué. Alors nous allons démarrer directement en ce qui concerne les actualités. Là, nous sommes sur les comptes Twitter d'Arriva. Vous allez bien sûr constater ici Anna Claudia qui a essayé un peu de discuter avec Christian je ne sais quoi. Vous pouvez le lire directement là. Et en fait, si nous essayons un peu de cliquer là pour essayer un peu de traduire en français, on dit excellente discussion que j'ai eue aujourd'hui avec Christian Buzoi, le président de la Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement européen, sur la façon dont Arriva va révolutionner l'industrie travel tourisme en l'intégrant à la crypto-monnaie et à la technologie blockchain. Je pense que je vous avais parlé l'autre fois avec ce projet d'Arriva. C'est vraiment... le Parlement européen a déjà mis vraiment ses mains sur ce projet. C'est pour toujours vous signifier que c'est un bon projet et les bonnes choses prennent toujours du temps. Ce n'est pas pour dire ça peut toutefois directement exploser d'ici là. Ça peut toutefois prendre du temps et il faut toujours continuer d'espérer des grandes choses à l'avenir avec la crypto. Donc là où arrive à Wonderland avec le projet qui est en train de s'exécuter, vous voyez l'aperçu en ce qui concerne arrive à Wonderland. Donc c'est quelque chose aussi qui continue d'exciter les projets d'arrive et qui demande toujours d'être derrière ces projets et continuer toujours de voir les longs terme, tout en espérant les bonnes choses avec cette crypto. Vous voyez déjà l'aperçu qui se présente là. Vous pouvez déjà voir ce que, avoir déjà une idée de quoi ça peut être fait avec le temps en ce qui concerne ce projet. Donc vous pouvez suivre avec Arriva Wonderland et vous verrez ce qui est en train de s'exécuter. Nous pouvons essayer un peu de descendre un tout juste ici et vous allez voir des choses excitantes en ce qui concerne notre crypto qui est Arriva. On dit Arriva.finance, la passerelle de paiement, les outils de commerce électronique et des dons sont prêts. Toutes les entreprises en ligne, en particulier les installations tourisme et les agences travel, peuvent postuler sur Arriva.finance et commencer à accepter crypto payments. Et là, nous voyons que c'est Arriva qui est déjà derrière sur ce projet. Donc c'est quelque chose qui continue toujours de continuer à exciter à nous les holders de cette crypto. Si vous ne l'êtes pas, pensez-y déjà à cette crypto, car nous savons que si nous essayons un peu d'aller vérifier les prix sur CoinMarketCap, nous sommes à 3,0 après la virgule, 18,97, en baisse de 3,34%. Nous continuons toujours de vérifier en ce qui concerne les actualités pour cette crypto. En tout cas, les bonnes choses viennent petit à petit. On dit le premier lot de Arriva Machine Boss a été livré à Dubaï.
Sentez-vous excité. Nous les placerons bientôt sur les réceptions d'hôtels sélectionnés. Les bonnes choses prennent du temps, mais le succès est inévitable. En tout cas, c'est quelque chose que vous devrez vraiment prendre en compte et commencer déjà à se positionner par rapport à cette crypto et voir ce que vous devrez faire. Car ce que je viens de vous le dire, cette crypto va exploser dans les années qui sont en train de venir. Bien sûr que vous pouvez toutefois me dire que vous avez une bonne quantité présentement. Ce n'est pas mauvais si vous avez une bonne quantité, mais si vous avez la possibilité, en tout cas, c'est mieux de continuer toujours d'ajouter votre portefeuille de manière à ce que vous puissiez avoir une bonne quantité de plus en plus par rapport à cette crypto. Bien sûr que moi, ce que je peux vous dire, il faut toujours attendre du temps, il faut attendre du temps et continuer toujours de holder. Sachez que les bonnes choses, ça vient petit à petit. Prenez l'exemple avec les bitcoins, comment est-ce que ça a été? Ça a pris vraiment du temps pour que ça puisse exploser. Et compte tenu de la chute de la crypto-monnaie présentement, c'est parmi la bonne nouvelle qui est en train de se présenter aux holders de la crypto-monnaie. Nous pouvons essayer un peu de lire ici, c'était en date du 15, là on nous dit le marché métaverse dans la taille de l'industrie travel et tourisme devrait augmenter de 188,24 milliards de 2021 à 2026 selon les derniers rapports de marché des Technavio. Il est bon de savoir que Arriva est sur la bonne voie. Vous pouvez voir parmi les statistiques déjà présentées comment est-ce que ça peut valoir en 2026. Et on présente là, vous pouvez lire vous-même et voir ce qui est nécessaire et faisable par rapport à vous. Si vous voulez bien sûr détenir la crypto ou bien si vous voulez acheter la crypto-monnaie qui est Arriva. Il y a vraiment beaucoup de choses que je n'avais pas parlé. Mais quand même, il est préférable que vous puissiez en savoir sur cette crypto et commencer déjà à prendre une position par rapport à vous et savoir ce qui est faisable par rapport à vous de manière à ce que vous ne puissiez pas manquer les bonnes choses avec cette crypto. Car en mettant toujours en tête que les bonnes choses prennent du temps, et c'est ce qui va vous permettre de se positionner positivement en rapport avec la crypto qui est Arriva. Donc il ne faut jamais négliger de pouvoir tenir une bonne position et de pouvoir continuer toujours à holder. Nous connaissons bien sûr que le marché de la crypto présentement est en chute. Donc sachez cela et c'est parmi les bons moments de continuer toujours de prendre une bonne position avec la crypto-monnaie qui est Arriva. Donc pensez-y à ça et prenez-vous en charge et préparez-vous aux bonnes choses qui sont en train de venir. J'espère que vous aviez compris les contenus de la vidéo. Alors, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous aider avec un beau pouce bleu car ça va permettre à l'algorithme YouTube de publier à plusieurs personnes, de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour nous aider à agrandir la communauté. Alors, on se retrouve au prochain numéro.